Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors Diamond Painting aujourd'hui, c'est pour vous présenter, coucou, pour vous présenter le nouveau DP que je vais mettre en route cette semaine. Voilà, alors j'ai hésité. Je voulais faire, alors je sais plus si vous vous rappelez, j'ai le DP avec les poules qui tricotent. Donc j'avais descendu celui-là et quand j'ai regardé, je fais, oh mince, c'est des perles carrées. Mais c'est vrai que j'ai les perles carrées, ça me dit plus rien en ce moment. Donc je me suis dit, bon, je vais pas faire celui-là pour l'instant. Donc j'étais en chercher un autre en haut et j'ai redescendu celui-là. Voilà. Le petit Bouddha. Alors, c'est un petit Bouddha. Donc il fait la taille 30-40. J'ai 27 couleurs dessus et ce sont des perles rondes. Oui, je suis en perle ronde en ce moment, donc je reste là-dessus. Donc celui-là venait de la boutique Craft Art, voilà. Je regarderai dans les anciennes vidéos pour vous remettre le lien. Ça va? Elle est en train de se frotter partout. Oh là là, t'as chaud! Une vraie bouillotte. Une vraie bouillotte. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, bon là j'ai déjà repassé un petit peu, hein, mais vraiment un petit peu rapide, il n'était pas tellement chiffonné. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste préparer mes perles. Je voulais juste vous montrer quelle DP donc je vais attaquer cette semaine. Donc je vous le remontre. Voilà, un petit Bouddha. Et donc, je vais ranger mes perles dans ma valisette. Voilà. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que je vais faire. Alors, donc, ma valisette, la voilà. Hein. Vous vous rappelez. Alors, je ne sais plus où je l'ai eue. Je vais chercher. Si je retrouve où je l'ai eu, pareil, je vous remettrai en barre d'infos où je l'ai eu, mais j'ai un trou, je ne sais plus. Donc voilà. Sinon, les nouvelles, pas grand-chose de nouveau. J'ai revu mon docteur. Alors, il m'a donné. Alors, ah ouais, c'est à côté. Il m'a fait une ordonnance pour faire un IRM de la tête. Voilà. Voir si tout va bien dedans. Alors, j'ai déjà un rendez-vous, mais pas avant le 27 novembre. Donc, ça va, hein? Et donc, en attendant, il m'a donné un autre médicament. Donc, vous allez le voir à l'envers. Bon, ça y est, je vais vous dire le nom. Donc, c'est ça. C'est du néfopam, voilà. Mais ce sont des ampoules. Là, j'en ai plus qu'une dessus, puisque j'ai déjà pris pas mal. Enfin, pas mal. Il faut en prendre 3 par jour. Voilà, ce sont des ampoules à injection, comme ça. Mais moi, je ne les prends pas en injection, ni en perfusion. Que c'est pour les perfusions et les injections. Moi, je dois les prendre sur un sucre. Voilà, hop, ben, sur un sucre et dans la bouche. Ça me fait penser d'ailleurs en voyant qu'il reste une ampoule que je n'ai pas prise ce soir. Je la prendrai après. Donc, je dois en prendre 3 par jour. Mais bon, j'ai quand même encore mal à la tête. Donc, on verra. Donc, ça, c'est pour les douleurs. J'ai jeté la notice, donc je n'aurais pu vous dire exactement. Mais donc c'est pour mes maux de tête qui m'a donné ça. En attendant,
Donc on verra bien. Et puis on verra aussi dans un bon mois et demi, l'IRM, s'il y a quelque chose ou pas. Voilà. Et j'ai toujours pas de nouvelles pour mon opération de la thyroïde. J'ai essayé de les appeler toute la matinée. J'ai essayé d'appeler toute la matinée la secrétaire du médecin à l'hôpital. Pas moyen, soit que ça répondait pas ou soit c'était toujours occupé. Donc j'ai renvoyé un email. J'en avais envoyé un il y a un mois, j'ai pas eu de réponse. Donc là j'en ai renvoyé un. On verra. Parce que bon, il dit qu'il faut m'opérer, mais je voudrais bien savoir quand. Je voudrais pas que ça s'aggrave quand même, ma thyroïde. Donc voilà. Donc voilà les nouvelles fraîches du jour. J'en profitais puisque la vidéo ne va pas être trop longue, j'en profitais. Et hier, j'ai fait une vidéo sur une broderie. Et je voulais vous la monter, mais j'ai jeté la vidéo parce que je ne vous ai fait que du hors-champ. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Un moment on voyait, un moment on voyait plus ce que je faisais, on voyait plus, on voyait plus. Alors j'ai dit, bon, je vais pas m'amuser à monter cette vidéo qui est complètement pourrie. Je vous en referai une. Je vous ferai dans la semaine et puis il faut que je vois pour me. Je ferai plutôt la broderie ici sur la table avec mes pieds de caméra et la loupe. Voilà, je serai plus à l'aise que dans le fauteuil, je pense. Ce sera mieux. Là, ah oui, il y avait du hors-champ, mais alors presque du début à la fin. Donc j'ai dit, c'est pas la peine que je vous montre, que je fasse le montage de la vidéo. Vous ne verrez rien. Donc voilà. Alors ici, on va faire. Oui, tu veux te montrer? Ben voilà, montre-toi. Oui, je me montre. Je me montre aux copines et aux copains, à maman. Oh là 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 là. Je me montre. Je bouge plus. Je bouge plus, je suis coincée. Ah, ça y est. Alors, je vais mettre mes petites perles. Ah, pff, des poils. Dans mes petits pots. En musique et on se retrouve à la fin. Fifi, pas le téléphone, pas le téléphone. Hein? Allez, à tout de suite.
Voilà, mes perles sont terminées, mes 27 petits pots. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à attaquer mon kit. Donc, ça, je vais l'attaquer rapidement hein, avec vous. Et j'ai sorti mon petit stylet plumeau que j'avais eu à la boutique L'Éternel. Voilà, pareil, je vous remettrai le lien également si vous souhaitez. J'aimais bien parce qu'il a plein de petites paillettes dedans. Il est tout doux. Donc voilà, on va attaquer ça cette semaine. Demain ou après-demain, je vais voir. Voilà, ce week-end, oui. Demain, c'est vendredi, non, j'aurai pas trop le temps. Mais ce week-end, j'attaquerai ce nouveau DP. Et je pense qu'il ira aussi assez vite à faire. Voilà. Allez, je vous laisse tous. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.